Et salut, bienvenue pour cette 17ème partie de Pokémon Xenoverse. Et voilà, je reviens sur YouTube un peu faire quelques vidéos jusqu'à demain. Voilà, je reste 2 jours. Non, je. La motivation, le temps, les priorités reviennent. Désolé de vous avoir laissé. On est reparti sur Pokémon Xenoverse, qui est un jeu que j'ai quand même très envie de terminer. Qui, en tout cas, dans mes souvenirs, je me rappelle plus tant de l'histoire, mais dans mes souvenirs, c'est un jeu que j'avais adoré. Donc on est parti, on était à la chasse aux prisonniers, j'ai un peu regardé ce qu'on a fait. On était à la chasse aux prisonniers, ça c'est une prisonnière ou pas? Je sais pas si on avait eu tout le monde. Non, c'est Charlotte. Ah, c'est Charlotte qui me donne du lait meumeu. Elle avait pas l'air aussi... si avenante, si gentille. Non, c'est qu'elle avait une expression un peu dure. Mais... ouais, je sais pas si on avait tout le monde. Parce que je crois qu'il nous fallait... c'était notre dernière tâche, notre dernière mission, avant de pouvoir affronter le champion, si j'ai bon souvenir. Ouais, c'est pareil. Oh non, mais c'est pas possible. Je suis qu'on pas une seule seconde, il y a une herbe. Il y a une herbe. Bon, après, ça fait longtemps que j'ai pu rencontrer de Pokémon sauvages. Hein. C'est quelques mois. Bon, écoute... tout le monde, non? Je sais pas trop s'il manque quelqu'un. On va aller voir un champion. Non, après, peut-être que si je m'étais arrêté... c'est que... Bon, on va voir. On va voir. L'arène est ici. L'entrée de l'arène est ici. On avait fait toutes des énigmes un peu de... Attends, c'est là? Ouais. Des énigmes de recherche... Oh. Bah. Qu'est-ce qui se passe? Pas bon. Là, il y a peut-être un... Et là, je peux passer. Non, apparemment, non. On avait fait des énigmes, mais il me semble que c'était notre dernière épreuve, dernière étape. Bon. Apparemment, on peut pas. J'ai dû en oublier. Parce que je trouve que ça avait été rapide dans la vidéo que j'ai regardée de moi, hein, de ma propre vidéo, épisode 16. J'avais l'impression que c'était très court, finalement, la recherche aux prisonniers. Donc, oh! Quoi? Ils se sont déguisés en écume, c'est mignon. Ah, comment tu les as eus? Ok, tu vas devoir t'occuper des sœurs Maria et Serafina. Franchement, j'hésitais en fait, elle me paraissait un peu étrange, je pensais que c'était le même personnage que celui juste avant là, vous savez que il nous a donné le lemon. C'est pas surprenant, je me suis pas soigné. Alors j'espère que... Enfin lui il est quoi déjà comme type? Parce qu'il est comme type et quoi? En fait je sais plus comment ça marche, ouais. Là, quand c'est éclairé, c'est que je suis sur le Pokémon. Je me rappelle même plus mes types, Ah mais si, il est bien terminé. Bon, lui a priori c'est terminé. On va mettre qui? On a 2 vols. Je pense que j'ai un Pokémon électrique. Ah oui, Yaro. Ouais, il faut que je me les remette en 7ème map. Il y a même des nouveaux types là. Dragon, son et je sais plus trop. Bon en tout cas. On va s'occuper, voilà. Et puis du coup après, je sais pas s'il en reste, on retournera essayer auprès du champion d'arène, voir si c'est bon cette fois, on a l'autorisation, le droit de l'affronter. Ah oui, je prends quelques dégâts, mais ça va, on va passer en zone Pokémon peut-être avant, au cas où ça marche, et qu'on doit l'affronter là sur le moment immédiatement, et ben on ira l'essayer. S'habiller comme un écrémeux, c'était pas suffisant. Ah, sois maudit. Et on les a renvoyés. Toi, t'es pas... Ouais, non. Y'en a pas d'autres qui traînent vers là-bas, non? Ouais, non. Non, je pense qu'ils étaient seulement dans la ville. On va soigner, on va tenter. On a fait un bon tour, je pense qu'on avait fait un bon tour. Faut que je me fasse un petit peu confiance. Je vais me dire que j'ai fait un très bon tour. Qu'il n'y a pas besoin de faire mieux. Ah, il me les soigne ou pas déjà? Ah oui, j'ai oublié qu'elle était comme ça l'infirmière. Elle fait peur. Bon, on va voir. Alors du coup, c'est pas le bon Pokémon à mettre en premier. Je vais me les remettre en tête vite fait les types. Ici, je me mets en tout cas, je m'en fous plus exactement de lui, mais j'aimais bien. Mais lui, je m'en rappelle. Lui, je m'en rappelle aussi. Ah, il a sa forme. Ah oui, Xenophersal Ring.
Il a sa forme un peu spéciale, il est frais et plante, il est très dangereux. Et ça s'appelle Water Ghost, on l'a encore dans l'équipe, puis Normal Fighting, je suis le premier. Ah oui, c'est celui qui avait l'air d'une sorte de poupée vaudou ou épouvantable, je sais plus quoi. Bon. Non, c'est pas ici, il faut aller tout à droite à ce niveau, je crois. Non, pas à droite ici, encore. Bah si, à droite ici, j'ai rien dit. Ah bah oh, qu'est-ce qu'il veut, lui? Il était pas là tout à l'heure. Et jeune dresseur en herbe, je sais pas. Apparemment, il n'y a plus de fugitifs dans le coin, un beau boulot. Maintenant qu'il n'y a plus d'obstacles entre toi et le championnat reine, tu es prêt pour le final challenge. Mais je dois te prévenir, assure-toi que tes Pokémon sont au top de leur forme, puisque le shérif est un... il est fort. Bon, t'attendras à l'intérieur. Comme d'habitude, et je serai de ton côté. Ok, donc c'est bon cette fois. Bah j'ai mis qui en premier du coup? Il est quoi? Il est spectre un peu. Oh, non mais lui, non. Ah lui il craint le spectre. Lui est-ce qu'il a des petits pièges pour les spectres? Ah, il y a knock off. On va tenter avec lui devant. Parce qu'il peut pas se faire avoir par les attaques spectres. Mais il peut peut-être faire mal, je sais pas. Donc tu as réussi à capturer tous les fugitifs? Pas le casse pas. Tu penses que je ne le savais pas? J'ai conscience de tout ce qui arrive dans cette prison. Ce qui inclut aussi les évasions de ces gars désespérés. En fait, je suis... Enfin, ces gars et ces femmes. Je suis ceci qui... Enfin, c'est moi qui ai laissé ça se dérouler pour que je puisse tester tes capacités. Observation, courage et esprit d'initiative sont les caractéristiques qui définissent un dresseur plus qu'autre chose. Je dois dire que tu ne m'as pas déçu. Tu pensais probablement que c'est irresponsable de ma part d'avoir laissé ces gars traîner dans le coin. Je ne peux pas te blâmer, mais ne te méprends pas. Si tu avais joué la ville, j'en serais sorti quand même. Évidemment, je serais intervenu. Mais tu m'as épargné cette tâche, donc je t'en suis redevable. Bon, merde, grâce à ton intervention, tu as fait mon estrus, jamais plus ce mot, brûler comme un torrent, je sais pas quoi. Ne perdons pas plus de temps, c'est ce que j'ai à dire. Ton challenge a été interrompu trop de fois et ça atteint enfin son climax, son paroxysme. Le combat avec le champion d'arène, je me suis toujours pas présenté, je suis Kaspar, shérif et champion d'arène du comté de Westar City. Prépare-toi à affronter la puissance de mes Pokémon en garde. Ah oui, c'est une expression française, j'y pensais plus. Ok, il est champion d'arène, shérif, guitariste, Kung Fu. Ok, ça peut le faire. On avait quoi d'autre comme... Ouais, voilà, fake out, pas besoin. Ça fait pas mal, c'est pas la forme évoluée. Et j'ai enlevé son Evoli. Fire Spin, non, ça embête un peu, ça empêche de changer, je crois, non? Ou ça fait juste des dégâts entre chaque tour, ou les deux. Pas facilement que c'est les deux. Ok, Hyper Potion, c'est bien s'il utilise son Hyper Potion maintenant, j'imagine. Oula! C'est attends, pourquoi j'ai fait autant de dégâts cette fois-ci? Je suis pas sûr d'avoir compris. Pas grave, j'ai pas fait à mon inventaire des potions, j'ai pas trop le souvenir de ce qu'on reste. Carfasmo. Oui, on va laisser. Oh. Ah, il est vilain lui. Ah, il est vilain. Et on va lui faire un petit lire. Je pense qu'il a l'air assez résistant, mais il est moche. Oh, est-ce qu'il est vilain? Knock off. Je sais pas, j'enlève un objet. Ok, KO du premier coup, pas mal. Oh, il a perdu son bras. L'animation incroyable. Il est... Non, vraiment, je le trouve pas joli, il fait pas Pokémon, il est pas beau. Non, je ne sais que dire. Bon, on va faire les tapas. Non, pas très joli, j'aime pas trop. Après, Pokémon ont des têtes variées. Il est beau, lui, par contre, en cette couleur. Moi, c'est des couleurs que j'aime bien, orange un peu sombre. Enfin, c'est des couleurs que j'aime. Donc ça me plaît. Bon allez, Cacturne, au revoir. Je sais pas trop pourquoi je prends des dégâts. Est-ce que c'est son attaque? Non, ça doit être son attaque. Il a le pot dur, là. Épine dorsale, je sais rien. Mais j'ai fait pas mal de dégâts. Palo Sand. Ah, Sand, comme... Comme sable, peut-être. Peut-être qu'il est de type sable aussi. Ouais. Waterfall, ça me paraît aussi bien que... Ah non, je vais augmenter sa défense. C'est dommage. Bon, on va faire Phantom Force.
là pour m'attaquer, mais j'ai augmenté sa défense. C'est pas très grave, je pense qu'on s'en sortira quand même. Je sais pas que ce Pokémon pouvait avoir une capacité absorbo, enfin de ce style là. Et Shaileon, pas encore revu quoi. C'est le type plan donc tu pourrais lui faire bien Magical Drain, je pense que ça finit, non? Ouais, il est fort notre Shaileon. Enfin, un peu plus forcément, mais il est fort. Il est fort, 1808, c'est parfait. Ah, quelle tournure intéressante des événements. Ok, très bien, 4000$, des spare badges. Alors je me rappelle ce système de badge là, de quête, il est un peu bugué avec mon ordi. J'ai peur de réessayer. Bravo, jeune femme. Tu serais un personnage parfait pour une nouvelle, tu sais. Tu as ma gratitude pour les émotions que tu m'as fait ressentir dans ce combat acharné. Sans aucun doute, cela va m'inspirer mes prochaines histoires. En tant que champion d'arène de ce comté, je te récompense avec l'emblème. Ouais, avec un emblème, quoi. C'est le symbole de l'ordre de la discipline. Deux versants, deux facettes que j'ai vues dans ta manière de te battre. Voici le badge d'espère qui est à nouveau. Ouais, c'est un badge de shape, mais le visage est fait un peu étrange. Les étoiles ont toujours joué un rôle important dans l'histoire de notre région. Donc ils en sont les symboles. Avec leur lumière qui ne s'arrête jamais, qui ne s'éteint jamais, ils font de la nuit la plus sombre. Ils éclaircissent les nuits les plus sombres. Voilà, en gros. La plus lumineuse des lumières. Bon, voilà quoi. Plus ton courage nourrit ton âme, nourrit l'âme de tes Pokémon, plus cette attaque sera efficace. Tiens, prends-la comme un cadeau de ma part. CT30, c'est quoi? Tu me dis pas ce que c'est? Ah, Shadow Ball! Ah, oh bah ça, c'est pas mal pour notre. Comment il s'appelle? J'ai plus son nom, mais notre truc psy-ombre. Enfin, psy-spectre. Avec Shadow Ball, tu seras capable de relâcher. Les trucs de ton nom, de ton âme, blablabla, mais c'est pas plus fort, ça rend pas plus fort de toute façon. Ok, ouais, laisse-moi tranquille. Alors, on va donner ça tout de suite. Je me rappelle plus. Dans ce jeu, je sais plus ce que je cherche. Ah, mais ils sont là, mais. Je me rappelle plus dans ce jeu si je peux utiliser à l'infini les CD. Je crois que oui. Qui prennent le système récent qui permet d'utiliser toutes les CD. Mais attends, mais on va lui donner à lui en priorité puisqu'il est plus spécial, je crois. On va mettre à la place de Psycho Cut. Je trouve que c'est un mauvais choix. Et ce qui est toujours là, ouais, on va peut-être le donner aussi à Sharpedo, non? On peut voir. Phantom Force 90. Ouais, en deux fois. Je vais enlever. Comme ça, j'attaque direct. J'attaque direct. Je sais pas si c'est bien. Alors, j'ai aucune idée d'où aller. Je ne me souviens pas d'où est-ce qu'on vient exactement. Je vais essayer de trouver. Alors, oui. Si, il y avait une zone qui était bloquée. Ouais, ici, c'était bloqué par Team Dimension. Dimension. Si je me souviens bien. Il semble que c'est ça. Donc s'ils sont plus là, c'est qu'on peut aller par là-bas. Et qu'on vient pas de là-bas surtout, donc c'est bien la bonne direction a priori. Donc on est parti. On est parti avec notre fine équipe, on a qui devant? On a Confour, ah oui, tiens. Mettre Sharpedo, qu'importe, hein, je pense que je ne fais pas tant de mal. Je sais pas si on a des Pokémon qui pourraient être plus intéressants dans notre PC. On en rencontrera, je m'en fais pas trop. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Ok, Team Dimension. Alors, si j'oublie certains personnages, la bande d'Alia, elle me dit quelque chose vite fait. Peut-être qu'on l'a déjà vu. Est-ce que tout est prêt? Ça doit être une sorte de chef de la Team Dimension. Oui, madame. Très bien. QQ6, tu restes ici et tu gardes un œil sur le conducteur. Maintenant. Maintenant. Enfin, c'est pas qu'il va s'en aller, hein, mais bon. Je sais pas quoi. Hey colonel, tout se passe comme prévu. Grâce au Quasar Express, personne ne pourra nous stopper. On va pouvoir se rendre au temple en un rien de temps. Ok, est-ce qu'on peut prendre ce petit train? Non. Arrête de brailler, vieil homme. Ce train appartient à Team Dimension maintenant. A l'aide! Ok, oh le papy, faut qu'on l'aide le papy. Faut qu'on aide les pépés, nous, les pépés. Oula! Oh,
qui? Non mais vous avez vu la caméra ce qu'elle m'a fait? Ouais, le bébé avec une mèche. Alors il me fait vraiment penser à un bébé dans l'histoire que je suis en train de lire en ce moment. Je sais pas si vous connaissez les aventures des orphelins Baudelaire. On livre, je lis beaucoup, je regarde un peu moins les séries. Parce qu'elle était dans la ok, je suis. Bref, il y a un bébé dans l'histoire. Ils sont trois frères et sœurs, et notamment un bébé qui sur les dessins du livre, il a écrit une mèche. Il a une mèche, c'est différent. Faut rire. Sucker Punch, bon, c'est fini. J'ai cru qu'on avait deux fois la faiblesse. Ok. Peut-être aller soigner rapidement. Parce que sinon, si on ne se soigne pas, le PP. Bah, le PP, on peut pas. On peut pas l'aider, le PP. Donc, on va se soigner rapidement, et puis peut-être on aura. Une caméra qui va pas s'évader, hein, tout simplement. Ce sera peut-être plus simple. Bref, en tout cas, c'est une histoire que je vous conseille. Hein. Il y a 13 livres, alors elle est en série sur Netflix. Désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Mais du coup, voilà, ce bébé m'a fait penser à ce bébé dans le livre, qui est très drôle, qui est excellent. Bon, je les traduis pas tous, c'est de ça comme ça, hein. Nous, on va aider le pépé. On va aider le pépé, mais bon. Je fais quand même tous les combats pour un rond. Alors lui il a une tronchette folle ou au pire dragon, on va faire un petit ice fang. Est-ce que c'était une bonne idée? Pas forcément. On va tenter autre chose. Tiens, un rock peut-être. Est-ce qu'il peut être poison? Poison peut-être. Il est psy. Il est psy. Et si on fait wild charge? Ça va mettre KO, on est contre les 44. Ouais, bon, c'est pas super efficace, donc il était psy et autre chose. On saura peut-être au prochain. Alors, il emmène qui? Cacturne. Lequel de Cacturne? Bon, on va mettre avec ta barre. Quoi que j'aurais pu laisser celui-ci. J'ai pas pensé. Lequel de Cacturne? Ah, l'original. Alors, je me demande de quel type était l'autre. J'ai l'impression d'avoir fait assez mal avec des attaques feu. Celui du champion. Donc est-ce qu'il était aussi plante, ou alors insecte, autre chose? Je verrais bien sol pourtant, vu qu'il est sec, on pourrait dire que c'est un cactus qui a trop séché, puis il est devenu comme le sol, j'en sais rien. Je vais essayer d'aller me soigner. J'ai quoi comme truc de soin? Là je vois que j'ai 41 Energy Powder. Je sais pas trop ce que j'utilisais jusque là. Bon, le PP était toujours là? Ouais. Apparemment. Ok, les Pokémon sauvages qui se jettent sur moi. Le PP, personne ne veut mettre. Personne ne veut que je prenne soin de lui. Ok, on y est presque. On y est presque. Dans la Team Dimension. Alors, le dresseur, qui a l'air d'être juste après, je sens qu'il va me défier. Il a la Team Dimension juste à côté. Ah non, c'était un tonneau. J'ai cru que c'était des cheveux. Non, ça va. Je me suis dit, le gars voit la Team Dimension, mais préfère me défier, moi. Cette zone est hors limite. Et toi, l'humain, tu es l'humain dont le colonel parle à extermination. Oui, donc on a dû la rencontrer. Ah, mais c'est elle qu'il y avait. Là, on avait un petit événement avec un galopas de foudre ou un galopas. En tout cas, la Team Dimension avait mis l'enfant en danger. C'était à cet endroit-là qu'on a dû la rencontrer. Alors, on va s'en occuper d'un. On va s'assurer de le mettre KO, le petit Trevenant. Voilà. Dommage. Au moins, déjà un. Donc on ne se verra qu'une attaque. Alors on a deux Pokémon rapides. On se verra qu'une attaque à ce tour, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Alors je sais pas trop ce qu'il va me faire. Oui, c'est juste. Est-ce qu'il met quelqu'un d'autre? Non, ça va, il met personne d'autre. Peut-être Shadow Ball. Est-ce que c'est mieux? On va attaquer. On sonnera après. Tant pis, je pense qu'il faut l'attaquer. En fait. Ouais, si, on est quasiment en KO. Oui, on soignera avec nos petits coups d'énergie. Avant d'aider le bébé, je n'oublie pas le bébé, je parle beaucoup du bébé, mais aider les personnes âgées, c'est très important. 45. C'était DX3 et DX4, très bien. 3 erreurs, bzzz. Ok, ça arrive à nouveau. Enfin, c'est. Il est. Ok. Alors, il est toujours empoisonné, par contre. Je sais.
ça qui est dommage. On va soigner plus, par contre. J'ai peut-être un antidote qui traîne quelque part, parfait. Voilà, et puis on va laisser Sharpedo devant. Alors, par contre, c'est un peu trop similaire. Enfin, un peu trop similaire. Ah, tiens, Shailion, on l'a pas beaucoup vu, j'ai envie qu'on le voit plus. On va le mettre devant. Et on va aider le pépé. Alors pépé, qu'est-ce qui se passe? À l'aide. Ok, tu parles à qui? Un humain? Est-ce que tu es venu ici pour délivrer le vieil homme? Ah, tu te trompes. Ouais, je suis venu carrément délivrer le vieil homme. C'est mon seul but, ma seule raison de vivre. Alors toi, tu es lequel? Tu es évidemment QQ6. Et bien, j'aurais pu le deviner. Pour présenter, j'aurais pu le deviner. Ok. On va mettre Electabuzz, je le mettrai directement en KO à mon avis. Je peux permettre de recevoir une petite attaque électrique. Étincelle. C'est dommage qu'il me paralyse. C'est dommage. C'est dommage. J'ai été empoisonné avec Sludge Bomb, j'ai été paralysé avec Étincelle. Les attaques n'ont pas 100% non. Mais ce n'est pas grave. La vie est ainsi faite. Et puis on met KO quand même comme prévu. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Est-ce qu'il en a un autre? Électrique, oui, on va le laisser électrique. C'est l'insecte là? Pas du tout. C'est vraiment pas celui-là que j'avais en tête. Je pensais que c'était la réunion. Mais c'est Voltic. Et les mots. Bah non, il y a les mots liquides dans l'électrique aussi. Donc il va changer après de Pokémon. Il a fait son travail. Il a laissé très bien débrouillé. Avec Clank, je vois qui c'est. Et Comfort sera idéal. C'est-à-dire pour ça. Il reste combien en face, pas très attention. Pas très grave. On va faire un petit fécard. On a toujours des PV en moins. Quand même pas mal. Hein. On a toujours des PV en moins. Et puis Power Up Punch. Qu'est-ce qu'elle fait déjà, cette attaque, elle m'augmente l'attaque. Elle fait un truc. Ouais, elle fait que 10 charges. Papa. Sauvac, knock off. Non, j'aurais pu augmenter. Je suis bête. Là, c'est pas une attaque qu'il faut que j'économise. Au contraire, il faut que je m'augmente l'attaque encore plus si jamais. Le combat se termine, mais j'aurais dû au cas où s'il y avait quelqu'un derrière. Menace de niveau rouge. Niveau rouge. Un dresseur talentueux détecté. Un truc informé le colonel immédiatement. Ok, salut. Est-ce que tu veux dénouer le conducteur? Oui. Pourquoi pas. Tu as ma gratitude la plus profonde, mon enfant. Je suis le conducteur du Quasar Express. Plutôt je l'étais avant que ces gars masqués n'arrivent. Cette femme est peut-être charmante, mais c'est une vraie sorcière. Elle m'a commandé, elle m'a demandé de faire des... Elle m'a donné des ordres, quoi. Comme un de ses soldats pour que je... Vous savez, quand on a quelqu'un autour duquel on met une corde... tu peux l'attacher, quoi, en gros. Et elle a pris le contrôle du train. Mince, je suis un peu vite, j'ai pas vu. Il y avait un homme avec elle, un homme qui avait... Je sais pas quoi, qui m'a gelé, dont le regard peut-être m'a gelé le sang dans les veines. De la manière dont il parlait, je suppose que son rang était supérieur à celui de la femme. Le Quasar Express est une pièce historique de notre région. On ne peut pas le laisser tomber entre de mauvaises mains. J'ai besoin de ton aide. Libère ce train de ces démons. Je ferai ce que je peux de cette station en supervisant la route suivie par le train. Tu devrais agir silencieusement. Allez, je crois en toi. Alors, je vais le faire. Hein, je vais le faire. Mais je veux juste aller me soigner avant. On n'est pas très loin et les soins sont assez rapidement dans le jeu. Donc, je vais le faire. Et puis, on va embarquer. Je sais pas si on fera tout l'événement du train dans cette partie, mais en tout cas, j'embarque. Et on verra. On verra comment on s'en sort. Peut-être il y avait des moyens de se soigner dans le train. Mais dans le doute, je prends pas de risque. Je ne prends pas de risque. Café Cabonon, on l'a perçu lui. Je sais pas si on l'a. Ah, j'avais peut-être un objectif d'attraper les Pokémon que je n'avais pas encore, mais ils sont nouveaux. Écoutez, je n'ai plus cet objectif. Ah oui, on pourra pas revenir avant la fin de l'événement. Ouais, donc c'était peut-être pas une mauvaise idée de se soigner avant. Et Alice, attends-moi. Ok, j'avais oublié son... On m'aurait demandé son nom, j'aurais pas su le dire. Grâce au ciel, j'ai réussi à sauter à bord du train avant qu'il parte. J'ai entendu dire que le Quasar Express avait été volé. Donc je me suis dépêché de venir ici sans réfléchir. J'étais sûr que je te trouverais là. N'est-ce pas, Pikachu? Bon, je n'étais pas obligé de traduire ça.
Ne perdons pas plus de notre temps précieux. Nous devons faire quelque chose avant que ces fichus criminels essayent de réussir leur plan, quoi. Ok? Oh, c'est dommage, l'obscurité, c'est dommage. Pas grave. C'est pas très grave. On regarde, on teste, on arrivera quelque part à d'intéressant. Cette porte est verrouillée. Alors, quelque part d'intéressant, c'est pas ici, du coup. Ah, peut-être par là? Oh, je t'ai vu. Mince, j'ai pas lu, je m'as dit, c'est pas très grave. Au moins, on a trouvé quelqu'un. Peut-être qu'il va pouvoir nous illuminer la cabine. Ce serait vraiment l'idéal. Alors, il y en a qu'un seul. J'ai 40. Allez. On va tout de suite mettre l'électabuzz. En espérant que cette fois-ci, il ne se fasse pas paralyser. Mais, je suis sûr qu'il va se faire paralyser. C'est la vie. Bon, c'est pas grave. Normalement, bon, on a fait quoi en premier? Manette Rise. Ouais, et puis une attaque inutile. Mais je suis paralysé. Attaquer. Screech. Ok, on va dire inutile si je réussis à attaquer. Ça aurait été utile si je me prenais encore une... Non. Impossible. Ça va pas, Mikao? Ah là, par contre, c'est embêtant, du coup. C'est embêtant. Ouais, parce que une attaque physique... Ah. Ça va. C'est un peu dommage. Dommage, quoi. Ok. Ouais, niveau 45. Ah bah, sur G45, c'est parfait. Ok, je ferai tout ce que tu veux, mais s'il te plaît, ne me laisse pas. Tu veux ouvrir la porte? Ok, je vais désactiver ton chemin. Ok. Dommage, j'aurais limite préféré que tu m'ouvres juste la lumière, que tu m'allumes la lumière. Ça aurait été idéal. J'ai quoi d'autre, du coup? Ouais, Energy Growth. Heal Powder. Mais où est-ce que j'achetais ça, du coup? Je m'en souviens plus. Star Cider. Je me souviens plus les villes où j'ai pu acheter toutes ces bêtises. Parce qu'il faudrait que je refasse le plein, je pense. J'en ai pas tant, j'ai pas tant d'avance. Ah bon sang, il y a beaucoup de surveillance. Peut-être qu'on aurait plus de chance si on se sépare, tant que tu penses pas. Ok, à plus. Je vais y passer où? Hop. Ok. Voilà, je vais pas avoir le choix. Ouais, je veux quand même voir ce qu'il y a dans cette boîte. Après, s'ils ont qu'un seul Pokémon à chaque fois, ça va. Les combats sont pas trop longs, je trouve, par rapport à d'autres jeux GBA. Bon, il y en a pas. D'autres jeux GBA où c'est l'animation est lente. Ouais, c'est pas compliqué. Alors, par contre, il y a vraiment que Electabuzz. C'est rendre des combats que pour Electabuzz. Terrible. Bon, il faut avoir des niveaux, on va pas se plaindre. Charge. Ouais, du coup, Fire Punch, ah, j'aurais peut-être fait un petit work. Bon, c'est le mecha au punch, ça reste une forme pas évoluée. Par contre, c'est le mecha au effectivement. Magnemite, on laisse. Ok, un peu nul aussi, comme Pokémon qui a pas vraiment apporté énormément d'expérience. Malheureusement. Quoi? Ah, Sturdy. Ah, le piège. Le piège, c'est. Bon, la défense spéciale qui baisse, c'est pas très grave. Attendez, la musique Around the World. C'est la musique Around the World. Est-ce que vous l'entendez bien? Je me tais. Bon. Là, je suis pas sûr. Je suis pas sûr d'un coup. Mais avant, c'était Around the World de Daft Punk. Bon, parce que si vous l'avez pas remarqué, je pense, en cas, je pense que c'est bien. Le design d'Atom Dimension est fortement inspiré des Daft Punk, le groupe électro français. Il s'est séparé il y a pas longtemps, je crois. Donc c'était drôle, je crois avoir reconnu un Big Pearl. Ok. Bon, ils ont beaucoup des Pokémon électriques. Charpedo ne sert pas à grand chose. On va le laisser dans l'espoir que ça tombe bien à un moment donné, mais bon, on va voir. Enfin, la musique, écoutez bien la musique. Non, pas ouf pour l'instant, non, pour l'instant ça n'a rien à voir. Non, rien à voir. Oula. On va lui faire un Confuse Ray déjà. Sans doute il a une tronche, elle est peut-être dragon. Je sais pas, on va tenter. Ok, déjà il s'est blessé, ça c'est pas mal. On va tenter un Ice Fang, voir ce qui se passe. Ouais, non, il doit être acier peut-être. Ouais, il a plus une tronche à être acier. Il en fait quoi? Enfin, j'ai pas fait attention. Il est peut-être acier Spectre, pas Shadow Ball.
Ouais, Poison Jab, attends, il a combien de types différents? Il a trop de types différents. Voilà, bon, on finit de le mettre KO, il en avait qu'un seul. Voilà. Là, vous l'entendez? Around the world. Ouais. Right. High jump kick. Non, pas d'high jump kick. Pas de violence. Ok. J'ai pas testé voir. Mais non, mais quand il n'y a pas de papier, on peut pas. Là, par exemple, il devrait y avoir quelque chose. Bah, juste des bouts de papier. Antidote. Ce serait bien qu'il y ait un endroit pour se soigner, mais. J'ai pas l'impression que ça soit le cas. Je vais peut-être pas tarder à stopper, non, parce que je ne sais pas pour combien de. Ouais, ils bouffent tous, mais. Oh! Bon, quel intérêt d'avoir des cheveux. Ouais, ok. On va voir, elle. Qu'est-ce que nous avons là? Ah, tu peux pas voir que je suis avec mon gars? Elle est hors de ma vue. Hein, c'est juste quelqu'un de la Team Dimension avec des cheveux, hein, c'est rien de plus, j'imagine. C'est bon, il pousse comment? C'est juste une perruque, de toute façon. Ah, toi, je te connais, Angel. Tu es totalement sujet à Shadow Ball. C'est bien, Charmé. Ça fait plaisir d'avoir pu te mettre KO des Pokémon. Alors, c'est bien, erreur. Laisse-nous tranquille maintenant. Ah, il faut que je les combatte tous. Là, il y a une poubelle ici. Iron. Iron. Écoutez, on va se laisser là. Je vais essayer d'être pour le reste des vacances, à la rentrée, je ne sais pas, mais je vais essayer d'être un peu plus actif, peut-être 2 vidéos par jour. Et parce que j'ai envie d'avancer dans le jeu, découvrir de nouveaux jeux. En tout cas, je profite à chaque fois que j'ai cette motivation, de cette période de motivation. J'essaie vraiment d'en profiter, donc ce sera sûrement 2 vidéos par jour. Peut-être que ça durera pas éternellement, mais c'est comme ça. Voilà. Ceux qui sont là, en tout cas, qui sont toujours là, je vous remercie. Je vous remercie, vous êtes courageux. Moi-même, pas sûr que je serais resté abonné à ma propre chaîne. Il y a plus de 6000 abonnés. Il y a le nombre d'abonnés qui continue d'augmenter à chaque fois, je comprends pas. Il y a plus d'abonnés quand je sorte pas de vidéo que quand j'en sors, je vous promets. La statistique le montre. Peut-être que je dois comprendre quelque chose. Bref, bon, je vous remercie en tout cas si vous êtes toujours là, ça me fait super plaisir. Et puis, on va se retrouver très vite. On va se retrouver très vite. Je sais pas pourquoi je répète les choses deux fois. Mais à très bientôt. À très bientôt. Pour l'épisode 18. Ciao.